Vendredi 11 octobre 2024, la VOA Creole a présenté au dernier sortil pour ce maintenant. Moi, c'est Jean-Aubert Philippe, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité aux États-Unis, la Maison-Blanche, autorité locale avec résident, a fait évaluation des gaz cyclone Milton qui était derrière, un cyclone qui était touché surtout centre État Floride. Côté de la cause en mort, puisse passer une dizaine de monde. Actualité à Moyen-Orient, l'armée Israël a attaqué une base de travail à la paix l'ONU dans le Liban dans quatre opérations contre Hezbollah. Et bien, Haïti rencontre entre KPT avec Côte diplomatique là pour discuter surtout sur déportation massive haïtienne en République dominicaine. Une autre fois encore, merci tout le monde. On a commencé avec l'actualité ici aux États-Unis. Cyclone Milton a causé des dégâts considérables dans le centre Floride et force cruyo pour rétablir la vie normale malgré décision au niveau fédéral. Président Joe Biden parlait depuis la Maison Blanche. Ça, on a plus concentré sur les jodiens, c'est rétablir le courant électrique et puis retirer débris à terre. Gain besoin urgent pour plus passer 3 millions de monde qui étaient dans le blackout. Faut que nous t'aouer dévouement 50 000 travailleurs fil courant électrique qui sortent dans 43 États dans le pays, avec le Canada qui levait pied haut pour venir de réparer fil électrique, ça y est. Et ils ont déjà rétabli courant pour 1 million de monde pour qu'on y a. Faut que nous t'aouer, femme à garçon, ça y est, qui a grimpé poteau électrique. Il y a un seul côté qui n'a pas mené aucun côté. Et il y a un gros danger dans le travail, ça. Donc, Kounia, c'est le moment où l'autorité locale a fait évaluation et les résidents qui ont essayé de retourner à la CAIO. Nous allons aller dans Miami, Floride, pour que nous puissions nous correspondre à nous et Luc Saint-Ville, qui va dire nous d'abord qui en sait. Nous, on peut parler avec lui. Qui en sait? Dis-nous qui les médias locaux, Luc Saint, couvrent l'événement ça, qui s'est fait souterrain pour Kounia là. Alors, nous saluons Jean-Aubert, nous saluons tout le monde qui suit le journal Rendez-vous. Ça a gagné environ 30 minutes. Ça a gagné un petit lapli dans la zone côté Mia, dans Fort Lauderdale. Mais la vie a dû reprendre normalement dans la zone côté Mia, Miami, Fort Lauderdale. L'école retourne normalement. Mais dans la zone qui touche, on a dit Jean-Aubert, opération secours, a continué. Jean-Président Joe Biden se dit tout à l'heure. Autorité a essayé de déblayer, retirer tout ça qui était à bloquer circulation, gagner des fonds qui commencent à retourner la caille pour y aller constater les gaillots et faire nettoyage. J'en suis arrivé avec courant électrique, autorité, technicien au travail pour capable faire courant tourner et gagner entre 2 à 3 millions de monde qui jusqu'à présent pour circulation et gagner des citoyens qui disent nous ont remarqué présence la police dans Kafouyo parce que selon sa autorité, on a rapporté gagner 65% dans lumière qui n'a pas fouillé, qui a facilité la circulation, qui gagne dommage. Recherchant d'un caillou a continué, citoyens ont quitté l'abri provisoire, assistance a commencé à venir. Il faut que nous fassions gagner plus de 2000 en station gaz dans la Floride qui actuellement pas de gaz là-dedans. Oui, Nixon, est-ce que l'autorité a pour qu'on baille détails sur les dégâts matériels, bilan monde qui mourit et la trier? Alors, jusqu'à présent, pas gagné des chiffres exacts sur dégâts matériels, ce qui a fait caille, etc., machine. Mais pour les gens qui mourent, bilan provisoire, il fait état pour plus petit 16 personnes et gagné plusieurs personnes qui mourent à travers tornades, particulièrement dans la région Saint-Lucie. Nous connaissons Luxon dans la zone qui est touchée, il y a des Haïtiens qui vivent là-dedans. Est-ce que vous ne connaissez pas si vous avez des victimes dans le temps et si oui, dans quel niveau vous avez victimes? Alors, victimes en pile dans ensemble de régions qui touchent Tampa, Sarasota, Bradenton, Naples, Fort Myers, Fort Pierce. Mais spécifiquement dans le sud, Bradenton, nous parlons avec nos citoyens. Il y a même un petit business qu'il fait dans le backyard de la Cali. Nous parlons de Saint-Louis, Jean-Baptiste. Nous te font parler avec lui tout de suite après des gars. Il te dit comment ça te touche. L'entendez. Mon cher, toute installation que nous avons dans la cour pour nous arranger ça, pour nous arranger, bien que nous découvrions, nous avons marré, malheureusement, vent, beauté, les moulins, les crasés, ce n'est pas jouet. Ce n'est pas jouet, nous avons gardé des cailles, ça, nous avons gardé là, c'est catastrophe. Mais, vous connaissez, dans le moment où nous sommes dedans, nous avons fait un effort de sortir, nous avons fait une vidéo que nous avons fait, nous avons fait pendant un moment de l'eau, tap, 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 tap,
tapé monter ou qu'a pour être vidéo ça avant et ou pour être vidéo que moi fait vrai pour tout après ouragan te fin passé comment ça t'est mon cher c'est bon Dieu qui fait reste sur pas. Alors, on a fait connaître, même si pas qu'on a un chiffre sur quantité de cas qui détruit ou bien endommagé, spécialiste a dit ça qui passait là avec Milton, dégâts ou capable de gagner gros conséquences sur l'économie. On a rappelé que le président Joe Biden a supposé visiter l'État Floride dimanche qui vient là. Jean-Aubert. Merci, Luxon. Luxon Saint-Ville, tu es parlé avec nous depuis l'État Floride. Oui, actualité électorale aux États-Unis, une caractéristique élection novembre 2024, c'est célébrité qui a endossé candidat. Les spécialistes ont dit pas gain rien qui montrait engagement ça yo a motivé plus électeurs sorti à voter. Trumpomania, run wild, brother. Chanteur compositeur américain Taylor Swift que public a aimé en pile à cause musique li yo te mette un message sur compte Instagram li 10 septembre passé pour endosser vice président Kamala Harris li décrit comme un leader stable et doué fanatique li yo bat bravo pour choix Kamala Harris là. Jocelyn Corr, un fanatique Swift, président étudiant démocrate dans Marquette University dans l'État Wisconsin, parlait pour dire comme un jeune électeur qui vit dans un État clé, moi accueille décision chanteuse là. Moi pas quoi nécessairement décision après changer esprit électeur. Cependant, moi quoi li pral mobiliser jeune électeur pour soutenir à voter et puis voter pour démocrate. Musicien légendaire Bruce Springsteen qui t'a parlé avec une autre génération électeur, ça va gagner longtemps, t'a metté une vidéo sur réseau social pour endosser ticket démocrate là. Célébrité conservateur yo endossé candidat dans course électorale là tout. Pendant convention nationale parti républicain en mois juillet passé, l'ité légendaire Hulk Hogan t'a déchiré maillot pendant l'étape t'a annoncé support total pour ancien président Donald Trump. Frenio, en quitté Trumpamania, fait oubli. En quitté Trumpamania, dirigé encore. En quitté Trumpamania, fait États-Unis grand encore. Chanter country music, Kid Rock, qui t'a participé dans la convention parti républicain, supporter Trump dans toute élection présidentielle, l'y participé. Doubtless Donald Trump. Doubtless America. Bon Dieu béni Donald Trump. Bon Dieu béni États-Unis. Même les endossements célébrités est à côté leur suivre pour ces plusieurs milliers de visiteurs à chercher information dans le centre de voiture. Il n'est pas clair qui quantité de monde qui est actuellement inscrit pour voter. C'est raison qui fait analyse jouer les difficiles pour prévoir impact du endossement. David Schultz, professeur Hamline University, parlait pour dire question importante, est-ce que l'inscription électorale fait un bon côté ou bien est-ce que l'inscription électorale a changé pour le tourner dans la quantité de monde qui sortit à le voter? Expert politique l'a fait remarquer, si électeur remet célébrité, eh bien, il est capable toujours convaincre électeur indécis pour sortir à le voter 5 novembre 2024. Actualité à Moyen-Orient, l'armée israélienne a attaqué une base travail l'appel ONU dans Liban dans cadre opération la menée contre Hezbollah. Détail à Gentil Augustin Junior. Pour Pipiti, 22 moun mouri dans une attaque l'armée israélienne l'a fait dans une zone qui gagne en pile moun dans centre Beyrouth hier jeudi. D'après sa ministère santé Liban dit, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui nan asile les nan Vientiane pour sommet Laos la di journalist yo nan yon conférence pour la presse. Nous continuer engager nous pour empêcher conflit a épapillé nan région pour mener tout otage yo la kayo pour joindre aide qui nécessaire pour Gaza et puis pour mettre fin nan conflit a et puis joindre une solution diplomatique nan Liban. Pendant j'ai fort a fait pour joindre une suspend tiré nan Liban, l'armée Israël la pas suspend attaque liyo. Jeudi vendredi a nan Laos, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres condamné force israélien qui tiré sur un local travailleur la paix Nations Unies nan Liban. Li dit
I condemn the fact. Moi condamné attaque sur un local Nations Unies qui blessé des travailleurs la paix. Ça c'est une violation loi humanitaire internationale yo. Toute partie qui dans conflit a doit protéger travailleurs la paix yo. En pile autorité dans monde là condamné zak la mais Israël la fait sous local travailleurs la paix Nations Unies yo dans Liban. Yon l'autre côté, population libanaise continue à vivre dans la pérèse. Banana, qui ça moi t'a dit yo? Nous t'es peur et puis nous courir aller bon en mer. Qui ça voulez nous faire? Garder destruction. Gagne moun qui bloqué toujours en bas des brio. C'est ça Mohamed Salmon, yon résident dans quartier Noueri dans centre Beyrouth dit. Premier ministre libanais à bon côté parle Nahib Mikati mande Nations Unies pour adopter une résolution qui mande yon suspend tiré immédiat entre Israël et groupe Hezbollah Iran appelé. Nous demandons au ministère affaires étrangères pour soumettre une demande by Conseil sécurité Nations Unies pour prendre une décision pour un suspens tiré complet et immédiat. Pendant des semaines qui sont passées, Israël a frappé toute sa vente dans le site de Beyrouth. Côté gros base mouvement Hezbollah dans le Liban, Iran s'y porté. Mais, attaque hier jeudi, c'est troisième attaque sous cette ville-là que l'armée Israël l'a visé. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou sauvé à Creole, ou à suivre dernière édition rendez-vous pour ce maintenant. Restez branché. Actualité dans le pays d'Haïti, KPTH t'a parlé avec corps diplomatique là en Haïti sous déportation haïtien qui vit en République dominicaine. Ambassadeur dominicain dans Port-au-Prince, Foul Miguel, pat nan konti la. Détail avec Yves Manuel. Conseil présidentiel transition organisé hier jeudi en Port-au-Prince, yon réunion avec membres corps diplomatique et organisation internationale yo. Rencontre ça te visé aborder annonce gouvernement dominicain concernant expulsion chaque semaine 10 000 haïtiens. Pendant rencontre là, conseil a exprimé indignation li face à décision gouvernement dominicain pour expulser jusqu'à 500 000 haïtiens par année. Selon autorité haïtienne, Mezisa viole droit fondamental moun et convention internationale yo. Réunion qui était présidée par Leslie Voltaire, président conseil a rassemblé plusieurs ministres, parmi yo, ministre justice lan, économie, défense et santé publique. Discussion yo te chita principalement sur sécurité nationale et défi qui posé par expulsion sa yo qui incontrôlable. En réponse à crise lan, Premier ministre Guy Koni t'a annoncé mardi que sot passé la création d'un comité interministériel pour élaborer une stratégie diplomatique et humanitaire. N'a fait remarquer ambassadeur dominicain en Haïti pas participer dans rencontre CPTA à corps diplomatique là sur rapatriement haïtien en République dominicaine. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Dossier politique, dossier corruption, c'est un sixième politique parmi eux émergence patriotique avec bloc équilibriste à 21 décembre souhaité trois conseillers présidents qui indexés dans rapport ULCCA pour y aura les coyaux dans l'institution pour faciliter processus transition. Renan Toussaint, de Port-au-Prince. La mise en mouvement de l'action publique contre... Après que rapport Unité lutte contre corruption ULCCA fin indexé a demandé pour mettre action publique en mouvement contre trois conseillers présidents Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Ventiler, présentation dans conseil présidentiel transition constitué yon sorte handicap majeur pour réussite transition c'est ça porte-parole bloc équilibriste à 21 décembre 2021 maître Louven Charles déclaré. Or, là, nous connaissons qui sa corruption, qui même les représenter dans la vie d'un peuple, lui permet à ce que la société n'est pas capable d'aller vers l'avant, si le monde n'est pas capable d'aller à l'école, et les personnages, le monde qui est malade n'est pas capable de soins de santé. Maintenant, lui mettez nous dans une situation côté institution, n'est pas capable fonctionner, parce que corruption, ils sont cancer pour le développement de tout pays ou encore de toute société qui se veut se propulser vers un élan de changement, vers un élan de grandeur d'âme. Bon côté parle, René Civil, qui c'est leader parti politique émergence patriotique, souhaité acteur haïtien yo, bail population en explication claire, coup de lococ par rapport
ak skandal korupsyon sa. Fò ou di peyi a, sa ou vle fè avèk populasyon an, plan, konplo, yo gen kont peyi a, fò ou esplike l, e fò ou pèp la isye an tou, jen yo an patikilye, organizasyon ou men struktur politik kap defon peyi yo, fò ou komanse pose problem sa yo pou kon kote nou wale. Sa mwen mwen souwete l, e nou mwen se nam de maj sa yo nou ye pou nou gade koman pou nou avanse pou Haiti pren direksyon jwe pran nan intere peyi. Pendant ce temps, problème social et économique yo a intensifié chaque jour plus en dans pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. C'était en gros quelques temps points qui a devenu actualité dans pays d'Haïti. Pas déplacé. Plus nouvelles dans un petit moment. Atis Kapè, Pi Didi, te retourné nan tribunal hier jeudi a pou li répondre accusation fédérale pour trafic sexe avec accusation racket. Juge nan distria fixé date 5 mai 2025 pour li commencer jugement. Valérie Saint-Louis de Bivin, New York. Ça c'est famille Atis rappeur Sean Didi Combs qui a sorti dans tribunal là. Nous wè maman Atis la, Janice Small Combs, ak petit Atis la ki te vin supporter Atis la hier jeudi 10 octobre la pendant 3e apparition Megastar Atis Hip Hop la nan tribunal depuis arrestation li en septembre dernier. Juge district américain ki rele Aaron Subramanian te fixé date 5 mai 2025 la pou ke Sean Diddy Combs retourne paraître nan tribunal pou le juger sou accusation fédérale pou trafic sexe ak accusation racket. Sean Diddy Combs ki gen 54 ans te plaide non coupable nan date 17 septembre nan pou 3 chef accusation ki implike la dan tout compagnie label music li a ki se Bad Boy Entertainment. Accusation criminelle yo se pou abus sexuel sou femme ak garçon epi forcé ou fait crey, performance sexuelle pendant que l'ap enregistré yo sou vidéo avec utilisation drogue epi tout fait menace ak violence sou yo. Date 5 mai an fixé comme date pou commencement procédé a et juge la te noté que accusé a prêté nan prison parce que avocat li yo pas déposé aucun nouveau demande après qu'elle te refusé lagué artiste Sean Combs sous caution. Rapper qui gen ti nom artiste li ki se P Diddy te paraît dans tribunal civil là pour faire face à plus passé 100 moun qui gen la dan 25 mineurs qui accusé de agression sexuelle d'après avocat yo. Pendant qu'il est entré dans la salle tribunal là, Sean Combs P Diddy qui te mette une chemise chiffonnée avec un pantalon qui gen couleur pâle sous lit, te salué maman la petite li qui t'a assisté audience là. Pour qui réa qui c'est Emily Johnson, te dit que gen plus preuve toujours que la gen pour le présenter. Li fait remarquer que gen 96 appareils électroniques que yo saisi Kayatis là dans mois mars passé et qui gagne plus évidence toujours là-dedans yo qui t'a qu'à ajouter sous chai accusation yo. Youn avocat Sean Combs qui se met Anthony Rico en réponse à question que un journaliste te posé sous comment client li emporté li te répond. He's doing fine. Li très bien. You know, Dr. King called it the law of Dr. Martin Luther King rele ça la loi conséquence involontaire. Qui donc parfois plus ou pousser yon moun descend, c'est plus li vin pi fort. C'est comme ça, la page jiste tête li. Il te gen famille ici la jodi a pou supporter. Nous réellement veut mettre fin dans toute parole radot ça que nous wè sur internet là. Ça c'est une procédure grave à conséquences graves. Et puis nous tout avocat li n'a pas dressé li comme ça doit. N'a pas rappelé que accusation ça que la justice gagne contre gagnant trophée Grammy a déposé depuis année passée. Les Atis Kasi qui est bon nom li qui c'est Cassandra Ventura te soi-disant sibi pendant plus passé 10 ans a biforcé en bas drogue et puis viol en 2018 nan men Sean Combs P Diddy. Atis Sean Combs te plaide non coupable pour accusation criminelle ça yo. Li nan prison nan moment et l'a tande jugement. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis, New York. Ville Springfield nan état Ohio continue rete nan actualité a. N'a pas jeune Obed Lamy. Léon parlait avec haïtien qui habitait Springfield. Yo raconté ou zone ça qui dans Limestone toujours chargé avec moun deyò, si tout nan après-midi comme ça. Mais depuis quelque temps, ça a changé. Effectivement vrai, gagnon un changement qui fait parce que les après-midi restaurant ça justement à côté où toujours haïtien a traîner, monter, descendre, ça a besoin bagaille pour acheter, entrer ou acheter etc. Mais ces derniers temps, haïtien aussi gens restreint, yo pas trop prend la rue. Précaution pas capon parce que effectivement, ça gagne quelques semaines depuis menace bombe, des forces autorité yo fermer l'école et même local la mairie dans Springfield. Mais Gisnel lui-même pas quitter menace ça yo caponel. On ka comprendre si on monde pas besoin ou pas sorti. Mais des pour monde besoin supposé vaquer avec occupation. Parce que pas gon blanc qui insolent vrai. Pas gon monde qui pral juste venir pral mettre main sur moi, pral na faire moi pral juste passer pral mettre main sur moi. Donc ça veut dire tout monde a réglé affaire personnel yo. Dans climat la Pérez ça, gen plusieurs haïtiens qui gen tant fait paquet chaud et quitter ville là. Mais pour quelque l'autre tant qu'au Givner,
C'est résultat élection yo qui pral di ki avenir communauté haïtien gagne dans Springfield. Oui, ça ka aller si et seulement si que la partie majoritaire yo capable gagner élection, mais si yo pas gagner, son situation qui ka un peu complexe et qui ka déboucher sur Santa Cabrera en guerre civile parce que majorité des Américains qui hostile avec étrangers. Des fois, ils n'ont pas toléré parce que mon ami qui était victime de ça dans la voiture pendant la machine. Et puis, un Américain qui campait la machine à côté, il dit comme ça, il n'en paye. Amen. Faut nous dire tout, dans une rencontre qui a été faite la semaine passée entre leader de la communauté haïtienne, dirigeant de la ville Springfield, et quelques représentants du gouverneur de Iowa, nous avons discuté de cette question de sécurité. Autorité a encouragé l'idée haïtien pour penser à quelle stratégie vous capable de développer pour permettre haïtien de travailler ensemble pour bâtir la sécurité. Pendant que vous promettez, vous continuez à renforcer la présence de la police dans la communauté haïtienne. Vous êtes l'ami pour VOA Creole depuis Springfield, Ohio. Ou pratiquement arrivé dans la dernière ligne droite programme non. Continuez voyage là avec nous, VOA Creole. Restez branchés. Réaction continue à tomber après décision gouvernement dominicain prend pour déporter 10 000 haïtiens chaque semaine. Glorieuse Nelson depuis Ville New York. Déportation massive haïtiens qui vivent dans la République dominicaine, c'est un sujet qui domine l'actualité, hein? Principalement à cause de violence qui vient là-dedans. Nous parler à quelques citoyens sur ce sujet-là. Il faut ramasser la tête, non. Parce que Dominicain a pris des affaires. Et Dominicain a pris des affaires. Il y a un héritage pour nous qui a tout bien ça. Il y a bien un pays pour chaque haïtien vivre avec dignité, avec la paix. Vous comprenez, pour nous vivre en abondance, mais tout vagabond veut qu'il y ait tout le monde pour nous. Et insulter le monde pour un plat chaud. This is insulting. Et puis, il y a un pasteur qui était dans la figure de mon labdo pour ces chrétiens en vont haïtien. Comment on fait tolérer les bêtises ça? Comment on fait tolérer yo? Mon yo descend quand sur son jean ouvert et puis nous pas dire rien, même mon main droit ne pas la gueule derrière yo pour morder yo man. Ah, gens que mes sentiments comme haïtienne, mes sentiments ça y a fait ça en humanité parce que nous tous sommes humains, nous n'aimons pas croire que si nous avons un frère assez, nous avons ça, il y a qu'on prend pour vouloir aller dans un pays comme ça, et puis c'est pas un pays où on va gagner. Mais si nous avons un gouvernement, nous avons un président, nous avons un gouvernement, un monde qui est soucié de nous-mêmes, ça, nous sommes capables de respect devant nous, ce n'est pas plus mieux que mieux passer. Et parce que nous avons un travail. Si nous n'avons pas de travail, nous avons une organisation. Que gagne l'école, même si ça mon papa gagne de confrontation, mon était capable de rester dans le pays. Situation si la gagne conséquence sur monde qui vivent sous tout de Brésiliens. Nous parler avec Amanda Ortiz qui gagne 100 Dominicains qui a coulé dans venir. Relation haïtien avec Dominicain c'est un bagage qui toujours difficile et qui fait mal. C'est un bagage qui dégoûte. Moi fier de origine et héritage dominicain moi. Mais relation ça a toujours fait mal. Moi bien ça haïtien dans famille tout. Mais le fait que gagne toute colorie ça, tout raïssement ça bon côté dominicain ou soit haïtien et puis violation droit mon juste parce que yo noir toujours gagne gros impact sur moi. Jean-Luc Awel, ni haïtien ni dominicain pas questionné déportation yo. Yo pito longe douet sous façon le fait là sans dignité pour la vie moun. Moi relé glorieuse Stéphanie Nelson pour VOA Creole depuis Brooklyn, New York. Nous nan mitan ville Prague là qui chargé avec lumière dans festival lumière avec éléments artistiques. Festival Signal là qui déroule chaque année et qui dure 4 jours mettait bon gens lumière sur tout monument historique yo dans la rue et puis tout dans parc ville Prague côté que yo dit grâce à ça et bien bon yo le festival ça vidéo mapping avec lumière yo qui tourne un élément artistique. Deuxième édition a déroulé sorti 10 pour arriver 13 octobre là et il relé écosystème de Quest. Parcours festival là à travers Prague proposé 15 côtés et pour la première fois une partie dans festival là a déroulé dans château Prague là qui se siège la présidence.
Et voilà, c'est là que nous mettons fin à programme. Je dis à ce vendredi, c'est week-end. Nous souhaitons tous nous passer un bon week-end. Nous avons encore lundi qui est venu là. Bye bye tout le monde et merci à tous les camarades. L'État prend un ensemble de dispositions. Je dis, nous croyons que l'État pour nous sortir dans la question de modèle l'État, l'État pompier, l'État reste avec, l'État supplantu, l'État qui va prendre un pour peuple. Et nous croyons que je dis, il faut qu'on soit capable de comprendre ça qui est là et peuple haïtien prend destin en main. Dans la question de situation haïtienne, c'est domaine. Yo. Gagné président du conseil actuel, Leslie Voltaire. Monsieur qui réalisé une séance de travail avec plusieurs diplomates en Haïti et parmi eux diplomates dominicains et assemblé diplomates dominicains, monsieur taboudé invitation. Selon toute dernière information que nous avons, t'as semblé que diplomate dominicain, monsieur, pas répondre présent dans quatre chita balé qui dégagé entre conseil présidentiel et puis ensemble avec ensemble de diplomates. N'a pas dit des civilistes en même temps tout. Gèle jusqu'à présent, Edgar Leblanc fils, monsieur Gèle pourquoi jamais décidé pour qu'il soit capable de participer dans des réunions avec le conseil par Elio, puisque nous connaissons clairement Edgar Tevlerité, Edgar Temande pour capable de révoquer tout. Alors, le trois conseils pour maintenant et conseil, est-ce que ça dit que je dis, Edgar fait cavalier seul pour que l'IPA marche avec le conseil des civilistes? La situation dans la crise que le pays d'Haïti a fait face en présence de la force de l'audio et puis force multinationale qui gagne Kenya Cap dirigé, la situation a 24 fois plus difficile. Pendant la théorie, ce n'est qu'exam, il y a un département de la Tibonite continue à élargir ensemble des menaces et à faire sur la population civile. Et pour Kounia, c'est sur route nationale numéro 1 et qui trouvait là dans Akaye, dans la cité de Rapport à côté de Bandi, qui sortit Canaran, par suspendre, faire monter des menaces et même aller faire tirer plusieurs mondes qui vivent dans la zone, pour des citoyens perdit la vie, qui a vivre dans cette cité de Rapoa, et gagné des agents municipaux, c'est agents qui affectés avec la mairie dans la communauté, malheureusement qui vivaient perdit la vie dans cette situation. Ça. Est-ce que la police n'a pas de moyens pour te faire prévention contre ça? Qui ça qui empêche que la police arrange pour prendre contrôle la commune Cabaret? Parce que c'est porte d'entrée à Kaye. Et bien, depuis Cabaret dans Ménégio, et bien, il vient facile pour bandit, yo capable d'entrer en dedans à Kaye et faire ça au blé. Et ça a poté en pile suspense by moun qui dans le département la Tibonite de la situation, côté au gain en pile Perez par rapport avec Akaye, ses portes d'entrée pour mener dans ville Saint-Marc. Et là, nous connaissons, Bandi Bas Gang Griffio a progressé depuis un bon bout de temps là, après, il a fini faire massacre dans le profondeur, mais il a annoncé, on pas qu'il y a massacre qui prend pour faire. Et puis ça, tout ça, il a dit, toute promesse ça, ou bien toute menace ça, a fait en présence 11 blindés avec diverses unités spécialisées qui déploient dans le département de la Tibonite après massacre qui vient faire son déa. Jusqu'à présent, on n'y a pas jamais dit. Il y a des citoyens qui sont dans la communauté et antiboniciens, antiboniciennes, qui posent des questions pour presse traditionnelle, pas tout ça. Parce qu'ils ont songé en 2004, sous Jean-Bertrand Aristide. Même un chien mourit. Ils ont qu'un bel causé ça, ils ont qu'un bel, ils ont qu'un bel. Je dis, en plus, pas son centaine de monde mourit. Non, massacre que bandits commettent. Que la police, avec gouvernement, c'est massacre la police avec gouvernement. Parce que c'est gouvernement avec la police. La police a une responsabilité comme bras armé la justice. Est-ce que la justice dans le département de la Tibonite est fort pour t'empêcher que ça arrive? Est-ce que les policiers qui dans le département de la Tibonite sont fort pour t'empêcher ça? Qui est-ce qui t'a permis de faire? C'est la direction générale qui t'a permis de faire avec la direction centrale police administrative de CPA pour te déléguer des matériels adéquat pour faire face avec bandits qui gagnent des armes dans le niveau département. Ça pas jamais fait, malgré la population de la situation, fait diverses gros mobilisations, avec manifestations, sitting devant direction départementale, aller devant commissariat qui n'ont pas soin et n'ont pas son dépôt des massacres à la fête là. Autorité, on a pire au niveau dans la police, ça pas jamais tendé. Et Normil Ramoté qui est directeur général de la police, c'est fait comme si qu'elle pas tendé. Après massacre là, quelques heures après massacre là, ils ont délégué une quantité blindée pour venir dans le département. Pendant directeur départemental qui était là dans le moment, dans des machines, il était dit au moins, balle 3 blindés ou bien balle 2 blindés. La cabaret, c'est ta avelle. Ils n'ont pas de jambes répondre pour te faire ça. Qui vient cause que 100 combien de monde perdit la vie dans le département, la Tibonite Blaise Peterson. Si nous regardons, nous savons qu'il y a pour avec scandale, corruption BNCA. Blaise, bagarre l'Assemblée prend une autre dimension. Chef paquet Port-au-Prince là, maître Lionel Constant, Bougeon, magistrat de carrière, diplômé dans l'école magistrature de Bordeaux. Et bien, après analyse musclée que l'essai d'entre fait, il fait une analyse minutieuse sous rapport enquête ILCCA.
eh bien, les juges qu'elle fondait faire de corruption, bon côté conseil présidentiel et transition. Ça veut dire, négio, pratiquement, ensemble de ça, aligné à Ati, ceci, c'est là que IELS, etc., Léo, eh bien, juge d'a dit qu'elle fondait. Yo, qui tête coupée. Yo, semble tête coupée, t'as coupé deux gouttes d'eau, avec nèg cap volant et nèg qui dans corruption. Yo, qu'elle gagne tout de suite, nèg ça, sans doute, y a bien pour y aller devant la justice, et la justice a pris disposition et position sous question de sa blesse personne, parce que nèg, qui se voit dignité à l'État, yo, pas de gagne doute sur yo. Doute qui ça encore, c'est volant, qui va gagne doit ça. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti. Nous voulons parler de Mme Dominique Dupuy. Il fait quoi qu'elle arrive à Washington pendant la journée hier. Et bien, il prend une série de réunions essentielles qui a duré deux jours avec membres de la diaspora haïtienne, les personnes, avec partenaires américains qui prennent discuter sous organisation ça qui prend gain et ensemble organisation internationale sous affaires sécurité qui dans le pays d'Haïti. Pour permettre de sécurité dans le pays, c'est ça, Mme Dominique Dupuy. Elle essaie donc de regarder tout. Question hygiène en moment, question déportation massive qu'a fait bon côté compatriotes haïtiens en République dominicaine, côté pas respecté droit, migrants qui là-bas, li pral brasser l'idée, li pral bailler la parole, li pral garder pour loin, qui la communauté internationale capable d'accompagner. Mais, gen des citoyens, des acteurs politiques, organisationnels, qui dit que, qui posent des questions, est-ce que c'est coïncidence? Qui s'accresse tout de suite après discours Edgar Leblanc-Fils, sous troubine Nations Unies, ok? Et puis, ensemble, déportation massive, ça y est, commencé par côté République Dominicaine. Un certain monde qui a analysé, qui a regardé la question de la situation, il a fait quoi avec la communauté internationale là, à travers les États-Unis et le Canada. Tu as caché des actions, ça, la situation. Bon, il n'est pas étonné, nous, parce qu'il va oublier que, et là, dit Lucien Abinadel, si on vous a mis avec la Maison Blanche, parce que je sais clairement que, et président Joe Biden était ici pour monsieur la Maison Blanche, je discuté au palais, et ou pas, j'aime qu'on ait ça, ou discuter ça au palais, hein. Mais pas oublier que Haïti pas intérêt nèg yo. Haïti pas intérêt ces domaines. Haïti pas intérêt États-Unis. Mais Haïti c'est source de revenus. Exactement. Il fait Haïti tourner tout ça comme si il besoin faire capital économique yo, capital social yo, capital politique yo utiliser Haïti. Il a besoin de tuer tout, il a besoin de maltraiter, il a besoin de faire tout ça qui mal yo, il utiliser Haïti et utiliser haïtien yo. Pas de bagarre la clé. Parce que je dis, regardez Jean Dominique qui a mal quitté haïtien, et je dis en tout, regardez où mal les pendiers qui sont peut-être haïtiens qui vivent aux États-Unis, et si toutefois que, eh bien, Donald Trump devient président, eh bien, je dis, nous qu'à comprendre que, pas de volonté pour aider Haïti sortir dans sa lit là, mais de volonté pour matériser haïtien, de volonté pour mal quitter haïtien, de volonté pour humilier haïtien, et après, en pile pour lever là, pour capable pimper haïtien la caillou, parce que dit haïtien pas de droit arrêter l'autre côté yo. Et je dis en tout, m'a dit, dossier c'est domaine, Jean-Kélus Abinadel a déporté haïtien, dossier Malé Pandier qui soutient haïtien dans les États-Unis. C'est pour moi-même, c'est ta belle occasion pour que Haïtien ça qui en dehors pays et qui gagne en pile chasse pour capable déporter la caille en Haïti, et bien pour yo capable mais pour faire un autre Haïti. Parce que je dis, on croit que avec presque plus que 1 million 2 millions haïtiens qui dans la diaspora, mais je dis là, si presque 1 million à 2 millions haïtiens ça yo qui dans la diaspora ta entré Haïti, gain sécurité, gain facility, gain tout bagaille, y a contribué dans changer la caille. N'a gagne l'autre Haïti dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, n'a gagne l'autre Haïti parce que en pile haïtien ça qui à l'étranger et pas bon ça bon pour que ça. Et vont dire bagaille la clé, en pile haïtien ça qui à l'étranger, qui c'est domaine, qui États-Unis, qui Canada, qui la France, qui est un peu de côté encore, c'est pas bon ça, bon pour yo que ça. Yo juste à résister. Mais yo t'a toujours souhaité que la caille bon, yo capable de retourner la caille, parce que la caille c'est la caille, et à cette pi à l'aise la caille qui est côté yoye. Mais je dis, est-ce qu'il y a un modèle de dirigeant qui vous travaille et qui vous comprend que je dis, pour que vous l'autre Haïti et goumé pour l'autre Haïti, je dis. Et je pense que c'est ça qui fait moi agressivement, comme deux jeunes garçons, n'a goumé, n'a travaillé pour nous que comment qu'on est capable de jouer et participer pas nous, comment qu'on est capable de porter contribution pas nous, dans l'autre Haïti, dans la nouvelle Haïti, qu'est-ce que nous croyons qui est possible, qu'est-ce que nous croyons qui est réel. Et je dis à vous, dis-nous sincèrement, l'autre Haïti est possible, l'autre Haïti est réel. Mais libéré un engagement chaque grain petit lit pour permettre que nous capables de retirer Haïti dans sa lila des civils. Est-ce que nous avons venu avec et Michel Jeune? Très bien.
Et en nouvelle avec la Julienne DJ entre temps. Très très bien. Et Blaise, moi, je pense que c'est correct dans le ramassage. Notre point de vue que vous faites passer pendant, n'a pas parlé des questions de déportation qu'a fait en République Dominicaine ou si là, aucun dans l'autre pays. Je dis, il est important que chaque haïtien mette les mains, contribue pour permettre l'autre Haïti à, parce que tôt ou tard, ça qu'a passé à travers le monde là, contre les migrants haïtiens, il est pratiquement bail en pile inquiétude. Sous quel que soit statut que vous êtes capable de gagner, je dis, on regarde qui est en République Dominicaine à faire. Il y a des gens qui fait en République Dominicaine. C'est la première fois qu'on a déporté ou qu'on rentre dans le pays là. Yo gen sa do la, malheureusement, yo pren yo voye yo vin yon de dan peyi ya. Dwa moun pa respecte. Koun ya gen de zami ki pral di men, Désir, li pa fèt, li pa ka fèt menm jan États-Unis, li pa ka fèt menm jan au Canada, li pa ka fèt menm jan la France, et j'en passe. Mais, est-ce que ou konnen le politik racist an li ap aplike a travers le monde, et ou pa gen personne kap epanye, ou pa epanye, y ap passe dans même moun lan pou yo blase ou. Ou à passer dans le même moulin pour vous montrer que ou pas un peuple, pour vous montrer que nationalité que vous gagnez, qui mettez un paquet de barrières pour vous. Ça fait que nous devons prendre responsabilité, quel que soit côté ni à travers le monde là, pour nous coller ensemble pour chercher résoudre la situation qui est dans le pays nous, qui fait un pile dans nous retenir. Exactement, des Sibonès. Nous venons avec Michel Anjoujen qui est venu attendre et qui a parlé de questions et dossier par la Tibonite et en même temps tout dossier à Kayen. Et monsieur ici a été désir, dossier ça, on connaît le Québec, dossier la Tibonite là. Entendez Michel Anjoujen et c'est que vous n'avez pas faire action pour vous. La police a qui d'œuvre et la travail. Par contre, Michel, je passe Barry, par contre. Ok. La police livrée de Madrid, il y a un plus gros réseau, vol de moto et habitude, messieurs, dames, c'est voler moto dans le département voisin, mettez-vous dans des conteneurs, mettez-vous dans des camions. Non, pas là. Et Alvan Moutosayo, et Moutosayo utilise yo pour moun ka fè antenne ou bandit. Ceci, au milieu, arrivé 30 septembre 2024, là, c'est 104 moun que la police dans le sud arrivé à arrêter pour diverses infractions. Parmi 104 moun sa yo, 27 moun arrêté sur mandat. C'est autorité judiciaire dans le département qui desservit des mandats. Réseau mafieux ça, qui travaille dans la question de motocyclette ça. C'est 13 mouns de la police privée spécialement arrêtés et 38 motocyclettes confisquées. N'oubliez pas que l'opération SAR est faite de concert avec l'autorité judiciaire dans le département. Donc, tranche d'âge et Mounsayo, c'est des mouns qui varient entre 28 à 55 ans. Donc, ça veut dire que nous avons une idée qui type de mouns, qui catégorie de mouns qui est impliqué dans le genre de transaction SAR. Alors que dans la grande danse, le jour qui était 9 octobre 2024, là, la police dans la grande danse, il veut faire un bel coup de filet, côté un chef gang, qui est le Tsikaken, et dans un premier temps, qui a montré que les rencontrer avec l'autorité locale, il remet des armes, côté il a fait comprendre que il n'est pas en question de banditisme encore, alors que il continuait l'activité criminelle jusqu'à le jour qui était 9 août. 2024 là, dans échange de tir avec la police, et après arrivé mortellement à terre. Donc c'est ensemble de bagailles qui méritent attirer et attention population, hein, parce que en pile dans bandits, ils ont traqué dans le département de l'Ouest avec la Tibonite, ils ont cherché refuge dans l'autre département. Au point ça, c'est mon petit Michel Anjoujen, en attendant, petit conseil à Bali, tant l'engue bilan à Bali. Tant l'en n'y bagay pour nous dire n'a pas li. Yeah, Michel Anjoujen, ça me clé sous ça. Tant l'en n'y bagay pour nous dire qui sérieux, qui consistant, et que ceci étape kawè vraiment que ça n'a dit yon, yon senti qu'on vend l'espoir kabin jouen yon, laisse ça n'a pas li. Mais ouais, ce qu'a besoin là, ça n'a dit là beaucoup gagne de sérieux là dedans. Parce que ouais, même dans le visage monsieur, et bagay la palpable, bagay la nien, bagay la race, bagay la bagay aucune importance, alors que qu'on est clairement que dina grand dans dina ceci dans cela, ouais ça yo pour moi même comme si et pas même rien de sérieux pour moi même. Et Michel Anjoujen en clairement dit que tant l'engue bilan, tant les que nous travail sérieux, nous bay résultat nous frapper, laisse ça peuple la content, tendez ça nous bay comme bilan comme résultat. Ba on somme de bagay non désir. Blaise, m'kon tade, depuis un bon bout de temps, m'kon tade, on pose, et moun yo go expression. Audi. Chef boy sit,
toujours prendre temps yo prendre ça on en fait dual wifi n'a pas l'empile n'a partager signal sans et c'est des mauvaises on doit y partager c'est pas on positif non y a partager parce que je dis on est qui dit c'est porte-parole la police bon comme en tant que porte-parole c'est job sale là fait quand même n'a pas d'accord que c'est job sale d'accord fait parce que tout menti recommandement la police en balle pour vinn bali obligé vinn bali et de fait qui est capable l'aide c'est ou même comme quatre comme jeune garçon qui pas fait fier de famille parce que je dis un peuple qui pratiquement a souffri porte-parole n'a pas besoin de parler non si la police a pas résultat. C'est le peuple qui a témoigné, Rubens. Exactement, exactement. Depuis qu'il y a un résultat qui baille, c'est le peuple qui a battu bravo. Tant que déploiement qui fait dans le département de la Tibonite, s'il y a un résultat, mon la Tibonite qui a souffert depuis plusieurs années, c'est pas même qui a témoigné, il y a besoin de porte-parole. Il y a besoin de faire ou pas, ou l'autre jour, il y a dit arrêtez l'élection, ou pas, quand il y a un qui est dans la rue, c'est Mac. Ça veut dire, résultat, depuis nous baille, c'est le peuple qui a témoigné, lui, monsieur. On avance, Rubens. Exactement. Il a cherché refuge dans l'autre département. Et c'est ça qui fait nous toujours attirer l'attention de la population hein, pour très veillatif par rapport à des visages que vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas habitué à voir dans l'environnement. Chaque fois, vous avez genre de visage, vous avez genre de monde qui a fait monter, qui a fait des allers-retours dans l'environnement. Il est important de vous alerter l'autorité judiciaire, l'autorité policière, l'autorité administrative. Et s'il y a des interventions qui sont nécessaires, des enquêtes à mener, la connaître effectivement, est-ce que c'est des gens qui méritent de traquer. C'est important tout pour nous faire population connaître. Et depuis l'attaque meurtrière dans le bas à Tibonite, plus particulièrement dans le Ponsonné, et commandement la police là rapidement et prend des dispositions pour différentes unités spécialisées. Et coordonner bien des yeux dans le département. Le moins que nous sommes capables de dire pour l'instant, le département est sous contrôle la police. Il y a une opération qui commence à mener, notamment dans fief foyer gang Cocoras sans race qui est dans la Croix-Péris, et notamment et aux environs de Savière, une agression qui commence à faire jusqu'à ce que l'unité arrive dans l'espace et pour neutraliser les bandits. Donc, il y a un ensemble de travail et qui commence à faire. Par exemple, le marché Ponsonné et fonctionné normalement. Et dans le principal axe, il y a plusieurs barrages routiers et côté bandits qui sont considérés comme étant des points de rançonnage, côté de rançonner la population. Donc, la police est arrivée à libérer l'espace ça. Maintenant, la police a continué à progresser jusqu'à ce qu'il arrive dans le fief. Grand foyer comme ça pour arriver par la population, il y a un nouveau souffle pour la population capable d'arriver vaquer à l'activité libre pour les gens avec bien capable d'arriver circuler dans les meilleures conditions de sécurité. Nous, depuis quelque temps, bandits utilisent intoxication, désinformation comme un outil pour détourner l'attention de la population, pour essayer de jouer à l'opinion publique là, et dans une large mesure, et essayer ouais, comment vous êtes capable de détourner l'attention force de l'audio pour pas arriver sur Sibio. C'est qui ça d'abord? Sur les réseaux sociaux, les virales, côté bandits a montré que y a un char qui a brûlé, côté bandits a montré qu'il y a un policier, à la fois policier étranger et policier national, qui mourit. Nous, je l'ai dit, opinion publique là. Pas de ni char en cas d'opération ça que la police a mené là, depuis arrivé à minute, ma parlé là. Pas de ni char qui boule, pas de ni policier kenyan qui mourit, pas de ni policier haïtien qui mourit. Ça est extrêmement important pour nous faire opinion publique là, connaître ça. Par contre, qui ça a fait, ils ont utilisé des images qui était passé longtemps dans l'autre circonstance, et puis il a essayé ouais, comment il a adapté à ça qui a passé la Tibonite là, notamment pour détourner l'attention du monde. Et nous, la population a été très vigilante et par rapport à ça, et pour continuer pour tes supports, pour continuer pour tes collaborations, by force de l'audio, parce que les bandits ont appuyé, les bandits ont simé la pagaille, tout le monde, quelle que soit couche sociale, ou capable d'appartenir aux victimes.
c'est frère nous, c'est soeur nous, c'est maman nous, c'est papa nous, c'est cousin nous, c'est cousine nous, c'est policier nous, c'est avocat, c'est médecin, c'est toute catégorie sociale, c'est journaliste, c'est tout le monde qui est victime. Donc tout le monde ça y est, a intérêt à faire une cause commune à une situation criminelle qui a dérangé nous. La police, à travers la direction centrale de la police administrative et le parquet du CEMAC, des informations comme si tu as un problème entre la direction centrale de la police administrative, ça nous le DCPA, pour nous rendre écoute, avec le parquet du CEMAC. Or, ces deux entités qui condamnaient pour le travail ensemble et pour le résorber, pour arriver à contenir la situation. C'est qui ça, ça y est. Et il y a des gens qui montrent sur les réseaux sociaux, alors, et commissaire Saint-Mac, le commissaire Parquet Saint-Mac, est venu dans la direction centrale de la police administrative. Il était rencontré avec le directeur central de la police administrative pour lui faire part des situations éventuellement qui sont arrivées dans le consondé et que l'inspecteur général l'a pas recevoir. Effectivement, le commissaire gouvernement, d'après l'inspecteur général là que nous rencontrons, le commissaire gouvernement, venir dans la direction générale pour le rencontrer avec le directeur général. Il est allé dans le bureau chef cabinet du directeur général. Il prend un rendez-vous pour le rencontrer avec le directeur général qui passe sur place le jour. Et il m'a parlé le 2 octobre 2024. Alors que l'événement meurtrier, la Tibonite, va arriver dans la nuit du 2 au 3 octobre. Ça, c'est un premier bagage, nous avons besoin de signaler. Événement va arriver du 2 au 3 octobre, alors que la situation ça, là, existait depuis environ 4 à 5 ans. Le commissaire gouvernement vient le 2 octobre, situation va arriver dans la journée, situation va arriver dans la nuit du 2 au 3 octobre. Alors que le commissaire gouvernement dit, c'est l'inspecteur général là, directeur central pour les administratifs là, responsable ça. Ça veut dire une situation qui là, qui vient depuis 4 à 5 ans, dans l'espace de quelques heures, on se met responsable. Tout le monde qui a compris, qui a analysé la situation de près, il pense qu'il est capable de faire tête ou opinion. Or, le bureau du directeur central de la police administrative ne se trouve pas à la direction générale de la police nationale d'Haïti. Le bureau du directeur central de la police administrative se trouve à quelques mètres la direction générale. Je ne suis pas même sûr que le commissaire gouvernement compte pour le bureau directeur de la police administrative. C'est certain que l'inspecteur général l'a fait, on n'a pas jamais rencontré avec le commissaire gouvernement. Donc, pas de question de la police administrative, pas de recevoir. Parce que, au contraire, le commissaire gouvernement et le directeur de la police administrative là, et la police dans son ensemble, ils condamnés ou ils travaillent ensemble et l'autorité, entité dans l'État, la police, ils sont obligés de jouer une sérénité pour ils travaillent, pour ils font cause commune, pour ils défendent un intérêt commun qu'est la sécurité. Depuis environ 3 mois, bien sûr, depuis mise en place nouvelle administration, ça, ou après, sont leur paradigme et sont leur façon de faire. Et donc la police n'est pas contente essentiellement pour intervenir, mais deuxième phase qui est tout aussi importante, c'est la phase de la consolidation. Et c'est ça qui prend plus de temps. D'ailleurs, c'est à peine perdu que la police intervenue, ils font effet pompier, après ça disparaît. Donc après, depuis nouvelle administration, ça change le paradigme, et non seulement la police intervenue, donc ils ont phase de consolidation que ils mettaient en exergue, qui peut permettre à ce que malfaiteurs ne pas retourner et venir nuit et population dans bien-être. Mais pendant la dit ça tout, nous devons rendre compte et nous devons souligner tout que le problème là il est quasiment national et la police tout les gain pour obligation pour intervenir tout côté ça à la fois. Mais faut comprendre tout des fois nous sommes limités par des moyens. Donc, c'est des bagailles qui méritaient pour nous prendre en compte tout, qui fait des fois, ouais, même si la police a une volonté pour faire face des consolidations, hein, aller le plus loin que possible, vu qu'à chaque fois, comme s'il y a un problème qui aggrave quelque part et la police est obligée d'intervenir.
disposition qui est en prend pour renforcer les rivets et commandement et informer et les situations. Et Jean Soudzou là, et même Jean, commandement la police là, les gestes stratégiques, les bandits à tous, les gestes stratégiques, c'est essayer et nuire la population le plus possible. Et la population est doué tout, joindre et bien collaborer avec l'institution, pour mieux collaborer avec le commandement, la police là, et autorité locale, maire, et autorité administrative, autorité judiciaire, et qui population dans son ensemble doit être impliquée parce que Jean Soudzou là, c'est tout le monde qui a dérangé et c'est tout le monde qui doit faire cause commune. Et pour contrer la situation. Ça. Côté ma parole là, certainement il faut arriver déjà, et parce que vous êtes déjà en route, et le commandement a multiplié et effolé, a multiplié moyens, les maigres moyens qui à la disposition là, pour arriver au maximum et possible que le capable. Il y a des interventions, et il y a la présence et la police là, et l'agressier. Et gain présence la police un peu partout et commandement par commandement qui était croisé pour avec plein pour moyen mais au moins les maigres qui est à sa disposition il commence à mettre en œuvre il commence à utiliser et il commence à bailler le minimum et des résultats possibles. Maintenant ce qu'attend la population et ce qu'il est grand axe routier et à débloquer certainement on est très conscient de ça. Et c'est normal pour la population à demander ça, c'est normal pour la population à faire exigence et à nous qui sommes responsables pour bailler sécurité et pour bailler sécurité et nous qui sommes responsables de très conscients de ça tout. Et ben voilà, et on a avancé sur ensemble et de problèmes ça. Oui, nous au courant gain ensemble gain quelques rares cas de kidnapping et qui fait dans dernier jour ça. Et moi parler avec le DCPA, le premier chef des opérations. Et dans ses attributions et préventives, et qui a mené information, qui a intervenu, qui a fait prévention, etc., lié au courant, et qui a des dispositions, et qui a pris pour empêcher le plus possible que Jean de Cassaro répète. Le directeur général là, M. Rameau, qui te comprend la situation, ça, et qui te comprend le problème, il y a à la fois externe, mais tout aussi interne, et rapidement, il fait diligence. Et pour une nouvelle promotion de policiers rentrés en formation. Nouvelle administration, ça, il prend des mesures qui vous permettent de ne pas continuer à perdre du policier, de ne pas continuer, comme si le policier ne pas continuer à partir pour quitter l'institution. Il améliore d'abord l'espace de travail, le travail certainement pour améliorer l'espace de travail. Travaille aussi pour améliorer les conditions de travail. Ou après tout récemment, là, pas moins de 10 000 policiers et sur pas moins de 41 unités spécialisées sur recevoir pour les mieux risqués et la continuer de travailler sur ça pour bail minimum d'avantages et que le capable permettre chaque grain policier bénéficier pour encourager eux et rester travail et c'est ça l'affaire recruter l'autre policier et faire leur promotion vienne pour information pour grossir chiffre policier qui considérablement réduit qu'on a. Bon, des symboles pour parler, mais moi-même, bah, symboles qui te parlent, c'est plus touché par la caille ou la tibonite, tu comprends? Mais moi-même, ça que moi marqué, et ouais, même pas de parole là, parce que c'est à l'aise, ça l'a dit. Comme si que bagaille, moi, monsieur, dit même ni, ça c'est pas à l'aise. Ça l'a dit. On va vous mal formé. Tu comprends? Même ni, même oui, qui bagaille l'a dit là, licence, ça l'a dit pas ça, oui. Bon, en tout cas, comme c'est job là, la fait, il faut que j'ai fait job là. Parce que, ouais, n'est-ce Nèg yo fait tout le temps au passé. Nan dit que la police a pas gen moyen. Avec si mec moyen qui a gen, il y a le minimum qui est capable. Il a fait tout le temps passer dans ça. Je vais depuis à parler ça aura aller comme exemple. Et ça aura aller comme problème. Et ça aura aller comme problème. Mais avant même Ramon Mil, avant même KPT1, avant même Gary Kouni te vin prendre job, pas comme ça déjà. Et au contraire, la police a gagné avec moyen, plus ou moins qu'on a gagné moyen parce que LB. Ah oui, LB c'est ton vagabond, le tiré tout. LB c'est ton vagabond. Mais qu'on a, si y'a pas les deux moyens ou pas gagné, ou a d'accord avec qu'on a, la police a plus ou moins gagné moyen parce que LB. Si n'est-ce pas râlé,
yo mec moi mec qui donc et bien et pour États-Unis Canada la France lever tout matériel yo gagne dans l'armée yo voyer en Haïti. Ah oui, et ça vous fait. Que pour tout matériel sophistiqué qui vous gagne, vous voyez tout en Haïti, et laissez ma poche s'il y a plein de problèmes matériels. Et parce que j'en ai gagné plein là, et vous connaissez à clair des cire, vous n'avez jamais de matériel net adéquat. Ça n'a jamais été fait pour le moment. Que la police a des moyens net adéquats. Nous avons toujours à plaigner. Moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Si je n'ai ça. Et parce que je n'ai pas fait ça, qui fait pas fait ça. Elle dit, nous avons toujours même l'évangile. Nous avons toujours même le savon de la